Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer juste mon résultat. J'ai eu à tester l'auto-blogging parce que bon, il y a une polémique sur Internet où les contenus IA ne rentrent que pas sur Google. Google privilégie mieux les contenus qui sont écrits par les humains. Bon, je dirais oui, c'est vrai, mais ça dépend la plupart des temps des niches. Il y a les niches, par exemple, que vous allez utiliser l'IA et vous allez vraiment ranker là-dessus. Alors, bon, j'avais un nom de domaine que je n'utilisais plus trop. En fait, j'avais pris ce nom de domaine premièrement, c'était lorsqu'une plateforme d'affiliation venait de lancer qui était Awin Network, si je prononce bien. Donc, lorsque la plateforme avait lancé, j'avais pris ce nom de domaine et je faisais les révisions de tout ce qui était cours en ligne. En fait, parce que sur Awin, c'était juste la vente des formations. Formation en thérapeutique, communication animale, guérison par la télépathie. En fait, tous ces trucs un peu comme cela, d'où je faisais quelques articles là. Donc, je faisais la révision de ces produits-là et ça rankait très bien. En fait, j'avais les visiteurs, je faisais des ventes jusqu'au jour où, bon, Awin a décidé de fermer ses portes. Alors, ce business s'est écroulé comme ça et j'avais juste les articles. Bon, les liens affiliés ne redirigeaient plus à la bonne adresse. Alors, ce domaine était simplement en suspens, je ne l'utilisais plus. Et vous savez également que sur Google, la constance est également de rigueur. Donc, Google aimerait que, pour un rédacteur, qu'il a publié au moins un article tous les une semaine. Et mon but n'était pas de bloguer sur des sujets comme cela. Mon but, c'était simplement de bloguer sur un produit. En fait, c'est toujours ma philosophie aujourd'hui. Lorsque je trouve soit un produit, soit j'écris des articles dessus et c'est tout. Donc, je ne suis pas trop dans les contenus informatifs, mais je suis plus dans les contenus à type commercial, transactionnel, ce type de contenu-là. C'est vrai que bon, Google également met trop l'œil sur ces contenus parce que l'intention directement, c'est de gagner de l'argent. Et Google aimerait que ceux qui passent par son moteur de recherche puissent trouver en fait ce qu'ils recherchent, d'où le fait où il faut mixer la qualité du contenu. Donc, vous pouvez voir par exemple au niveau des pages ici que j'ai 1300 pages dans l'index de Google, donc qui sont déjà listées et qui peuvent ranker sur Google, mais simplement que le problème, c'est la concurrence et la qualité du contenu. Et tous ces 1300 articles n'ont pas été écrits de façon manuelle. J'ai utilisé l'IA. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cela. Vous pouvez bloguer automatiquement et avoir des centaines et des milliers de pages comme ceci sur Google. Bon, les résultats, est-ce vraiment c'est satisfaisant? Je dirais non, parce que, bon, présentement, vous pouvez voir là que je suis à 3 mois. Dans 3 mois, j'ai eu simplement 18 clics. Je dirais que les résultats ne sont pas suffisants. Mais simplement, c'est que je n'ai pas écrit ces articles il y a plus de 3 mois. Donc, ce que vous devez également tenir compte, je vais vous montrer par la suite. Mais bon, avec plus de 1300 pages dans l'index, bon, je m'étais dit après peut-être 2, 3 semaines ou 1 mois, j'allais avoir vraiment plus de clics que 18 clics. Mais bon, j'espère quand même qu'à l'avenir, cela aura plus d'impact et que cela, ces articles vont mieux ranker. Parce que, bon, à l'avenir, je vais un peu retourner sur ces articles et faire des mises à jour parce que Google aime les mises à jour. Donc, sans toutefois encore plus vous perdre le temps et garder trop de suspense, je vous montre un peu le site. Dans le site, j'ai choisi un site dans tout ce qui est spiritualité, parce que dans la spiritualité, il y a trop de spéculation. Donc, tout le monde peut dire n'importe quoi en fonction de, par exemple, son expérience. Quelqu'un va, par exemple, parler en fonction de ce qu'il a eu à vivre, son degré de spiritualité et tout. Et donc, les articles écrits avec l'IA, donc, rentrent très bien dans ce domaine-là.
Et bon, il y a plusieurs niches comme cela que vous pouvez utiliser l'IA pour écrire dessus et ranker très facilement sur Google. Donc, comme je l'ai dit déjà au début de cette vidéo, tout dépend de la niche dans laquelle vous voulez vous positionner. Si vous prenez des niches où ça demande une expertise, vraiment avérée, Google va vous pénaliser très rapidement. Donc, voilà un peu le blog. J'avais le nom de domaine. Après, j'ai juste installé un thème premium et bon, j'ai juste lancé là. Donc, c'est une machine qui tourne automatiquement, simplement que bon, il y a 7 jours. Donc, par exemple, ici, bon, le processus d'automatisation s'est stoppé. Il faut juste que j'aille ajouter de nouveaux mots-clés. Dans ce système, par exemple, tu peux voir que je gagne de l'argent, par exemple, en faisant en fait, il y a le display. Mais j'ai eu à postuler énormément fois sur Google AdSense, mais Google AdSense a rejeté mon contenu, a rejeté mon site, parce que le contenu n'était pas très informatif. Bon, ils disent low value content, donc contenu qui n'est pas trop pertinent pour l'utilisateur. Alors, j'ai fait des mises à jour, j'ai tout fait, 3 à 4 fois, ils ont refusé. Alors, j'ai pris ce programme qui est Astera. Astera, bon, accepte très facilement. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas des personnes qui font la publicité là-bas, par exemple, sur le marché français, et mon contenu en français, et la plupart des publicités qui vont me balancer sont des publicités en anglais, donc qui n'est pas trop pertinent pour mon public. Donc, comment j'ai fait pour faire cela? Il y a autant pour moi. Il y a ce plugin qui est appelé WordPress Automatic Plugin. Donc, c'est un plugin qui vous permettre de faire du blogging automatique. Mais le plus pertinent dans ça, c'est que dans les récentes mises à jour, donc, ils avaient inclus maintenant écrit des articles avec l'IA. Donc, je connaissais ce plugin depuis des années parce que je ne suis pas sur Internet aujourd'hui. J'ai lancé beaucoup de blogs. Et bon, j'ai eu toujours abandonné à cause de tout ce qui est les mises à jour de Google. Donc, ce qui fait que je ne recommande plus trop de mettre tous ces œufs dans un panier, faire uniquement du blogging. C'est ça qui m'a vraiment tué dans le passé. Je me suis lancé trop dans le blogging. J'avais des petits résultats. Après une mise à jour directement, mon blog disparaissait comme cela. Donc, d'où le fait où je me suis un peu lancé dans tout ce qui est appelé parasite SEO. Si vous êtes abonné à cette chaîne, les vidéos suivantes, je vais parler du parasite SEO et comment vous n'avez même plus besoin de site, comment vous n'avez même plus besoin de blog. Vous pouvez écrire des articles qui rentrent comme cela. Il suffirait simplement de connaître les bonnes les bonnes plateformes de parasite SEO. Vous ranquez vos articles, ceux qui vont cliquer pour commander, acheter et tout. Alors, c'est tout. Dans ce plugin, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais vous pouvez créer un système d'auto-blogging avec ce plugin en prenant soit des articles, soit SoundCloud, un peu partout, Pinterest, Facebook, sur les sites de news. Vous pouvez également faire de l'auto-blogging avec l'affiliation Clipbank, AliExpress et plein d'autres trucs. Donc, automatiquement, bon, comme ils avaient fait la mise à jour, ceci m'a intéressé. Donc, voilà, comme je vous ai montré le site, voici un peu l'interface du blogging, blog automatique. Donc, le plugin en question coûte 39 dollars, mais bon, j'ai une licence un peu à vie comme cela. Bon, je peux installer sur plusieurs sites. Donc, si peut-être tu as un nom de domaine que tu aimerais un peu spammer, envoyer du contenu comme cela, bon, gratter quelques petits visiteurs, parce que ça, c'est juste, bon, ça n'a pas encore fait 3 mois, mais déjà, j'ai déjà 18 clics. Donc, peut-être après, peut-être 6 mois, je vais encore faire une autre vidéo pour présenter vraiment les résultats après 6 mois, parce que je suis à moins de 3 mois. Mais j'ai déjà 18 clics. Par exemple, ici, ce jour, j'ai eu 3 clics. Et ici, j'ai eu 3 clics. Bon, les autres jours, il n'y a presque rien eu. Et je suis à, donc, 1300 pages dans l'index. Je vais encore ajouter des pages. Et bon, donc, voici l'interface du plugin. Et comme je disais, si tu souhaiteras avoir ce plugin pour pouvoir un peu, donc, soit écrire ou lancer un système d'auto-blogging, contacte-moi, je vais te donner cela. Bon, à un prix vraiment dérisoire, peut-être maudite somme de
soit 5-10 euros, ça va dépendre de ton engagement. Donc, je vais te montrer tout le système et je vais également te donner les prompts que j'ai utilisés parce qu'avec l'IA, il faut toujours des prompts. Je vais te donner mes prompts pour écrire des articles vraiment de qualité. Si je prends par exemple cet article pour qu'on essaie un peu voir, on essaie un peu de voir la qualité du contenu. Mais l'inconvénient avec ça, pour avoir une bonne qualité du contenu, c'est qu'il faut tester énormément de prompts et également tester énormément de modèles LLM. Donc, dans LLM, c'est une interface universelle de presque tous les LLM qui sont sur le marché. Donc, on va trouver Claude Sonnet 3.5, on va trouver GPT-4, on va trouver Llama, on va trouver Gemini et tous ces modèles d'IA de toutes ces entreprises. On va trouver également Perplexity et bien d'autres. Donc, j'ai préféré, au lieu de prendre la plateforme OpenAI, donc j'ai préféré prendre dans OpenRoute pour pouvoir tester plusieurs MMM. Donc, ça, c'est la publicité. Donc, voilà un peu l'article. Bon, ça, je n'ai pas fait la mise à jour. Mais dans tous ces articles, j'ai inclus, par exemple, des liens affiliés vers des programmes, tout ce qui est abondance financière et donc un peu ça. Mais pour avoir cela, donc, voici l'interface automatique. Il faut entrer, par exemple, les API si on veut faire l'affiliation Amazon. Si on veut faire l'affiliation Clickbank, il faut entrer son username. Si on veut faire l'affiliation AliExpress, si on veut faire Flick, si on veut faire l'affiliation eBay, on va entrer toutes ces informations. Et ici en bas, donc, on a le modèle. Bon, on peut également faire les traductions avec DeepL Pro. Donc, on peut prendre des articles sur des sites, on les traduit et on spin également. Donc ici, par exemple, au niveau de OpenAI, donc il fallait juste se rendre sur la plateforme OpenAI pour pouvoir récupérer son API et venir ajouter ici. Mais j'ai préféré prendre Anthropic. Donc ici, j'entre donc l'API d'Anthropic pour pouvoir utiliser autant LMM, donc j'ai pris plutôt Anthropic. Dans la vidéo, je pense que je vais masquer ça pour que mon API ne soit pas divulgué. Donc, une fois que tu as rempli les informations ici, ce qui t'intéresse, donc il y a ici au niveau de New Campaign, mais je vais par exemple cliquer pour présenter toutes mes campagnes et je vais aller un peu dans les paramètres. On va essayer un peu de voir comment cela se présente. Donc, j'ai d'autres campagnes que j'ai mis, par exemple, dans la corbeille. Et ici, donc, ça dépend. Si on clique, par exemple, sur modifier, on a la possibilité de mettre l'interface de publication. Si on aimerait qu'après chaque 10 minutes, 15 minutes, après chaque 20, 30 minutes, 33, bref, peu importe, que le plugin prenne. Donc, un de nos mots-clés qu'on aura ajouté ici et qui nous écrivent l'article dessus. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails du plugin. Donc, elle est vraiment très longue. Donc, voilà un peu comment toi aussi, en utilisant par exemple ce plugin WordPress automatique, tu peux lancer un système d'auto-blogging et faire ranker, indexer énormément de pages sur Google. Bon, après peut-être, comme je l'ai dit, après peut-être 6 mois, je vais refaire une autre vidéo pour montrer vraiment mon résultat final de comment j'ai testé l'auto-blogging et quels sont mes résultats, et si elles sont satisfaisantes. Mais je dis déjà, pour l'instant, elles sont prometteuses, donc j'espère vraiment qu'elles seront satisfaisantes. Mais ça, je ne recommande pas à tous ceux vraiment qui débutent sur Internet ou qui aimerait gagner de l'argent directement parce que avec Google, ça va un peu prendre du temps. Il faudra être un peu patient. Donc, ceci, je recommande à tous ceux. Par exemple, vous pouvez faire un business avec ceci. Vous allez créer un blog, vous allez automatiser, vous allez mettre des articles et ensuite, vous pouvez vendre ce blog-là comme cela. Bon, la personne va se démerder de tout ce qui est... Bon, bref, tout ce qu'il va trouver qui ne va pas. Donc voilà par exemple un article. Donc, on peut voir que c'est avec le modèle que j'ai utilisé. Donc
c'est quel modèle. Dans avec Gemina Flash, donc voilà un peu le rendu. C'est vraiment prometteur. Et donc tout est écrit vraiment comme un être humain. C'est juste les IA qui peuvent détecter que ce contenu a été écrit par l'IA, mais l'humain, là, ça se présente vraiment comme si c'était l'humain qui avait écrit. Donc, bien paraphrasé, pas de phrases trop longues. Donc, tout cela dépend du prompt. Donc, voici par exemple mon prompt. Donc, si par exemple tu passes par moi, je vais te donner mon prompt pour pouvoir écrire des articles. Ça peut être des articles de révision. Ça peut être des articles pour faire de l'affiliation. Comme moi ici, je fais de l'affiliation. Et donc, voilà un peu tout pour l'auto-blogging que moi j'ai testé. Et bon, toi également, tu peux tester cela. C'est à toi de voir. Merci d'avoir suivi. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi parce que je partage du contenu comme cela pour pouvoir gratter un peu quelques petits revenus sur Internet. Pourquoi pas vivre également de ces revenus en ligne. Merci.